Comment désactiver ou supprimer un compte Instagram définitivement? Instagram a tendance à trop vous stresser ou vous ne souhaitez tout simplement plus repartager vos données avec Facebook. Je vous détaille la procédure à suivre pour supprimer définitivement son compte Instagram ou le désactiver temporairement dans cette vidéo. Si vous souhaitez supprimer définitivement votre compte Instagram, le réseau social propose une options différentes mais bien cachées, elles n'apparaissent souvent pas dans les paramètres de l'application ou du site web, que ce soit dans l'ordinateur ou bien sur le smartphone. Il faudra donc se rendre sur une page distincte pour pouvoir désactiver ou supprimer définitivement un compte Instagram. Mais avant, n'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Nous allons commencer par désactiver un compte Instagram. Pour désactiver un compte Instagram, vous ne devez pas vous rendre dans l'application. Vous devez plutôt vous rendre sur le site web, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Vous vous rendez dans le navigateur et vous ouvrez le site instagram.com. Une fois que le site soit ouvert, vous allez venir sur votre profil ici en haut. Voilà, vous venez sur profil. Ici, vous allez cliquer sur modifier le profil. Voilà, vous êtes là, vous voyez juste ici en bas, vous voyez désactiver temporairement le compte. Si vous cliquez sur désactiver temporairement le compte, vous devez donner une justification avant de pouvoir désactiver votre compte. Là, c'était la procédure pour désactiver un compte sur Instagram. Pour supprimer définitivement un compte Instagram, il faudra donc passer par des moyens de contournement que Instagram ne met pas visiblement à la portée de tous. Et une fois sur une page Instagram, vous allez venir sur l'option Aide. Déjà ici, vous allez cliquer sur le menu qui est situé ici à droite. Vous cliquez sur Gérer votre compte. Vous voyez là, supprimer votre compte. Vous cliquez dessus. Vous allez cliquer sur comment supprimer mon compte. Vous allez cliquer ici, comment supprimer mon compte. Deuxième, vous ouvrez, vous scrollez légèrement juste en bas. Vous voyez ici, supprimer votre compte. Vous cliquez dessus. Ici également, vous devez donner les raisons pour lesquelles vous souhaitez supprimer votre compte. Après votre demande de suppression, toutes les données ne seront cependant pas effacées directement des serveurs d'Instagram. Le réseau social va simplement les masquer pendant un mois, comme une simple désactivation de compte, avant de les supprimer définitivement au bout d'un mois. De quoi vous laisser le temps de récupérer votre compte si jamais vous changez d'avis. Si jamais vous souhaitez réactiver votre compte, il vous suffit de vous connecter à nouveau sur votre compte social Instagram et votre compte serait réactivé. Cependant, si vous avez décidé de supprimer définitivement votre compte Instagram, vous n'avez qu'un seul délai de 30 jours pour changer d'avis. Passé ce délai, vous ne pourrez plus récupérer votre compte Instagram. Les données et vos photos seront supprimées définitivement d'Instagram. Donc vous avez un délai de 30 jours pour les récupérer. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, liker la vidéo, laisser un commentaire et partager. À bientôt.